Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour un épisode, toujours sans dormir et toujours avec 10 cœurs. Et oui, ça ne change pas, comme m'a fait remarquer Émilie. C'est effectivement, pour l'instant, je change pas parce que je perds pas mes cœurs. Bon, j'en gagne pas non plus, mais je crois pas, enfin, si on est tous remontés à 10 cœurs, je pourrais tenter, mais je crois que j'avais pas activé la fonctionnalité avoir plus que 10 cœurs. Pour ceux qui suivent pas Minecraft, hein, on peut pas avoir plus que 10 cœurs dans Minecraft. Mais avec le... De toute façon, il n'y a plus de pommes dorées enchantées, voilà. Il en reste 6. Oula. Est-ce qu'on fait l'expérience ou pas? Elles sont en bas. Donc, normalement, on ne peut pas avoir plus que 10 cœurs dans Minecraft. Mais avec le datapack qui fait que si je meurs, je perds un cœur. Si on meurt, d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Eh bien, on peut en avoir plus potentiellement. Mais je ne sais plus si je l'ai activé. Donc, est-ce que je gâche ou pas une pomme d'or enchantée pour être fixée. Il y aura peut-être une autre solution, en fait, c'est de regarder les paramètres, mais je ne me rappelle plus de la commande. Non, on va pas gâcher, ce serait quand même... vu le temps que Shirazda a passé pour les trouver, ces pauvres pommes d'or enchantées. Mais vous allez où, vous? Non, mais sans déconner, tu vas où, toi? Ah, tiens, c'est un tanneur. Eh bah tiens, il achète le cuir. Eh, on a plein de cuir. Attends, mon gars, viens. J'ai plein de cuir. Hop là. Fallait pas le dire... Alors, oui, est-ce qu'il est stocké là ou au niveau des vaches? Vache. Il n'y en a pas là? Ah bah si. Le pauvre, il va crouler sous le cuir. Ah bah les vaches, elles peuvent y aller. Hein, parce qu'il y a presque un double coffre plein de cuir là. Eh, hey, tu t'es barré où? Non, 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 tu reviens. Il s'est barré où? Où est-ce qu'il s'est barré? Ah, le sagouin. Ah, le sapajou. Où est-ce qu'il s'est carapaté, lui? Ah non, une pipe. Alors... Il y avait sans emploi, là, sans motivation, tout ouais, vert, là. Il y en a deux. T'as deux tanneurs? Non, deux sans emploi. Ah oui, non, mais c'est le tanneur que je veux, moi. Où est-ce qu'il s'est barré? Il était avec le sans emploi, là. Punaise. Où tu t'es barré? Ah, je vais passer mon épisode à trouver, à le chercher. Où il est? Ça, c'est le pêcheur. Ah, il est peut-être retourné à son chaudron. Ah ah! Tadatin. C'est qui lui? Ah, c'est Shimae. Voilà. J'ai mauvaise pioche parce qu'il a été méga actif. Donc, pour le blé. Le voilà, monsieur le tanneur. Eh tiens, tu veux du cuir? Vas-y. Vas-y, envoie les émeraudes. Envoie, envoie, mon bonhomme. Voilà. Et pof, un level. Ah bah oui, il veut plus. Bon, il achète du silex après. Et puis alors, oui, ils sont nuls. Ils vendent des armures en cuir coloré. C'est bien pour faire de la déco, ceci dit. Ça peut servir. Bon, vas-y. Je m'éloigne. Va voir ton chaudron. Va voir ton chaudron. Allez. Non, tu veux plus. On va peut-être mettre un petit coffre juste à côté pour... Ah, impeccable. Il a refait le plein. Hop. Hop. Voilà. Allez. Un petit coffre à côté. Est-ce qu'on a un petit coffre en rab? On va aller chercher. Voilà. Dans le vide-poche. Toujours des coffres en rab dans le vide-poche. Eh oui, pardon. J'entends Ganesha, mais vous ne l'entendez pas. Elle est avec moi, mais... Ah, mais si, vous l'entendez, je suis bête. Si, j'ai dit que je t'ai enregistré en plus. Bah oui. Ah, bah voilà. Donc si, vous l'entendez. Oh, je sais plus ce que je fais. Je perds la tête. Certains diront que c'est l'âge. Moi, je dis que c'est autre chose. Pourtant, je fume pas, je bois pas beaucoup, je suis plutôt sage. Mais hein. Allez savoir. Non, il a pas fait le plein. Oh. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que je perds la tête? Peut-être que je fais trop de jeux vidéo. Hein. Allez, vas-y. Oh là là, bon, ok, je m'écarte. Alors, faut savoir que les villageois sont assez pénibles, ils ne réinitialisent leur compteur que quand vous les regardez pas. Eh ben non, il n'y a toujours pas fait. Et à certaines heures en plus. Donc un peu longuet. Bon, eh ben, pendant qu'il essaye de réinitialiser, j'ai pas mis tout le cuir que j'avais sur moi dans le coffre, par contre. Hop. L'idée au début de cet épisode, avant que ces charmants messieurs m'interrompent, hop, t'as pas fait le plein, c'était de construire la caserne. Oui, parce que l'écurie c'est bien, mais normalement il y a d'abord la caserne et l'archerie. Et on les a toujours pas refaits.
Or, on avait deux casernes, on n'en fera peut-être qu'une là, et parce qu'il y en a toujours deux dans Rise of Culture. Pour nous, ça n'a pas grand intérêt. Une seule, déjà, ce serait bien. Et une archerie et une écurie ensuite. La question, c'est où? Alors, sachant que... Ah, t'as de la place. Ah bah maintenant, il y a de la place. C'est pas la place qui manque. Mais sachant qu'il y aurait un sous-sol en dessous, ça pourrait... Oh là, dis donc, j'aurais bien laissé un petit trou là qui permettrait de passer en dehors des barrières. Oh, c'est dangereux, ça. Bon. J'ai pas vu. Ouais, non, mais moi, je l'ai pas vu non plus. On va mettre une petite torche là, parce qu'on sait jamais. Qu'un petit zombie spawn là-dedans ressorte de ce trou. Bon, pour le coup, c'est bien là que j'aurais bien vu... Pourquoi pas faire la caserne ici. Il y a vraiment trop d'herbe dans cette plaine. On voit pas grand-chose. Ah, là aussi, il y a un trou. Là aussi, on pourrait faire un truc. Ou la caserne, on l'envisage plutôt sur un truc en hauteur. J'ai passé plus de temps à chercher l'endroit qu'à le faire. Ah, ça me plaît bien, là. Ça me plaît bien parce que sur le screen que je vais évidemment vous mettre, hop, il y a comme une espèce de petite plateforme circulaire. Et je m'étais dit que justement, par contre, il faudrait qu'elle fasse 15 de diamètre. Donc, je m'étais mémorisé le truc. Ça fait 5, 2, 1, 2. Ok, alors... 5, si je pars d'ici ou de là. Ok. Tana. Alors, on va ça. 2, 1. On enlève ça. 2, et là, on aurait 5. Hop. Évidemment, j'ai pété ma pelle. Et là, je suis un peu court pour faire vraiment une petite plateforme. On va peut-être agrandir un petit peu la petite plateforme. Mais on a une bonne base. 1, 2, 3, 4, 5. On enlève celui-là. Donc j'ai dit qu'après ça faisait 2. 1. Et 2 comme ça. Et ici on aurait le 5. Ok. 1. Non, non, pas là. Là. 1, 2. Voilà. Là on aurait le 5. Ok, bon, on va se chercher une pelle. Punaise, il va bientôt faire nuit en plus. On va chercher une pelle et un peu de terre et un peu de caillasse. Un peu de cailloux, je pense qu'aujourd'hui on va réussir. Ah, il a déjà, il a réinitialisé le monsieur. Ah, vite, 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 vite. On reprend notre cuir. L'idée c'est de le monter à base de cuir. Vu la quantité de cuir qu'on a, on va pas se gâcher du silex. Viens là, petit bonhomme. Voilà. Allez, un level de plus. Boum. Qu'est-ce que tu vas faire comme trade? Enfin, des pots de lapin. Non, mais tu crois qu'on va dépenser des pots de lapin pour des émeraudes? Tu rêves. Ok. Donc, alors, poussez-vous, là. Poussez-vous. J'ai pas que ça à faire, moi. J'ai un travail, moi, monsieur. Hop. Alors, de la terre. On va en profiter. On range quand même vite fait. Qui brille? Je vais mettre... ouais, les émeraudes, on les mettait plutôt là-haut, mais tant pis. Tant pis, on va en mettre là, parce que là je vois le temps qui passe, ça file à une vitesse folle. Doubloup, hop, on range. Ok, et donc un peu de cailloux pour respecter le... Ouais, ce serait de la pierre taillée que je voudrais. Boum, boum. Pourquoi ça... J'appuie pas sur la bonne touche là. Voilà. Que ça passe directement. Voilà, on va faire le délimité. Déjà, si on arrive à faire le délimité sur cet épisode, ce sera bien. Alors, si le tanneur m'avait pas perturbé, je pensais réussir à faire une caserne en 20 minutes. Voilà, j'étais dans mon mode défi build en 20 minutes. Ah, d'ailleurs, ça pourrait être un concept, ça. Qu'est-ce qu'on peut build en 20 minutes? Top chrono, en survie, en ayant formé les matériaux avant. Quand même. Quand même. Comment ça, au secours? T'as peur de build en 20 minutes? Ah bah, je vais faire... 1, 2, 3, j'ai beaucoup de mal. Ah, je pense que ça pourrait être un bon entraînement, justement, de se dire, tiens, j'ai que 20 minutes. Qu'est-ce que ça peut donner? Hop, donc là, 1, 1, 2, dans l'autre sens, et ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Je pense que je vais pas remplir jusqu'en haut, je vais quand même garder un petit délimité, et on va combler en cailloux. Là, je voulais quand même que ça fasse un petit peu proéminent, ce petit monticule caserne. Mais deux de haut, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Pouf, pouf, on remplit tout de terre. Voilà.
Et donc, le périmètre, par contre, de la caserne. Ah oui, c'est directement de la pierre taillée, ouais, ok. Tu veux des selles en sel ou des selles en fer ou des selles en diamant? On parle pas de la même chose alors si on parle de sel. Ah non, Toi, c'est des armures, pardon. tu parles d'armure, toi. bah ça, je m'en fous. Tu veux des selles? C'est plutôt des selles pour qu'on apprivoise les autres chevaux et puis qu'on puisse remplir Ok. l'écurie. Voilà, donc ça, c'était sûr. Voilà les fantômes. Hop. J'ai enlevé une torche par là, donc ça doit être craignos. Voilà. Ping. Réparation. Un peu de lumière. Non, j'ai gardé le cuir sur moi, donc c'est pas grave. Hop, on enlève la végétation. On en mettra si besoin plus tard. Oui, monsieur le chat. On sait, il y a des fantômes. Ils sont vilains. Ah, oh, ils sont vilains. Ils sont vilains, les fantômes. Hop, je vais quand même agrandir mon petit monticule. Si le chat voulait bien arrêter de me casser les pieds. Créature du démon. N'est-ce pas, Jeff? Il faut savoir que Jeff est un grand pourfendeur de chat devant l'éternel. Donc, d'où cette petite phrase au détour, comme ça. Hop, voilà, on va laisser un peu comme ça. Voilà, pas trop régulier. C'est pas mal. Ici, non plus, il faut pas que ce soit trop régulier. Là, on va agrandir un petit peu. Ok, créature du démon, on a compris. Hop. Alors, l'idée de la caserne, c'est de laisser un petit pourtour et de faire quand même 5. J'aurais bien fait un petit pourtour où on peut circuler. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on fait 1, 2, évidemment, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Impeccable. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là, ça va pas le faire, évidemment. Vous connaissez la règle, on ne met pas de terre sous de la roche, c'est pas beau. Donc il y a deux solutions. Soit vous faites comme ça, poum poum, poum 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 poum, voilà. Soit ici, par exemple, eh bien vous faites l'inverse. Paf, vous cachez en mettant d'autres cailloux. Voilà, tout simplement. Là, c'est bien. Là, c'est pas bien, par exemple. Pif paf, voilà. On met d'autres cailloux. On fait le petit tour qui va bien. Et donc là, 1, 2, on descend 3. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, 1, 2, 3. Voilà. On a délimité. Ici, c'est pas beau. Ici, c'est pas beau non plus. Voilà. C'est mieux. On a fait notre délimité. Donc maintenant, bing, 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 bing. Non, c'est pas bien ce que j'ai fait là. Ici, ça va pas. Hop, voilà. Comme ça. Combien de temps il me reste? Oh là là, ça file. Ça file. Mince. Hop. Voilà, donc ça va être le haut de la caserne. Ça va peut-être faire un peu haut quand même, mon histoire. Il y a des fois, on se lance dans des trucs et après, on se dit. Bof, en fait. Là par contre, eh ben, on va remplir. Peut-être qu'on creusera après parce qu'on avait caché sous la caserne, je vous rappelle, les quêtes de combat. Parce qu'il y a aussi des quêtes de combat qui n'étaient pas faciles à adapter. Hein. Rise of Culture, s'il y a des batailles. Dans Minecraft, il n'y a pas. Ça manque un peu, un petit module datapack qui permettrait de faire un peu plus que des batailles de type raid. Pour varier un petit peu. J'ai plus de terre. J'ai plus de terre. Bah, c'est pas grave, on va faire avec. D'ailleurs, voilà, carrément, problème de riche. Alors, que je reprenne mon modèle au centre, c'est bien de la terre aussi. Donc là, on va dire que c'est le début de l'enceinte murée. Ok, il me faut une entrée qui sera dans un angle, et je la verrai bien ici. Voilà, ouais, on va tourner vers le village, hein. Donc, hop, on va enlever ça. Pouf, là ce sera l'entrée. Ici, il faut qu'on laisse pousser l'herbe pour après tamiser à coup de pelle. J'ai oublié de me refaire une pelle, tiens. Et je pense que 2 de haut pour la caserne, c'est bien. Donc on va essayer de faire 2 de haut, on va voir ce que ça donne. Hop, 1, 2, 3. J'ai le sentiment là. Non, ça, non, ça le fait. 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Alors avec des petits boutons, je pense qu'on fera
La petite déco au-dessus. Ouais, je pense que plus que deux, ça va pas le faire. L'entrée, on va l'habiller avec un petit peu. Oh, j'ai cru que c'était un zombie qui arrivait, mais non, c'est Ganesha. En armure de cuir enchantée. Ou dorée. De la terre, de la terre. Ah, oh, bah, j'ai aussi des petits cailloux, J'en ai tiens. ramené un stack. Ah, très bien. Oh, c'est pas sûr que ça Deux. suffise. Deux. Ah, deux, c'est déjà plus raisonnable. Mais non, le Parfait. chat! C'est ici, en fait, c'est pour faire une rampe, pour monter. Une rampe. Voilà, je rajoute un peu de cailloux d'ailleurs pour habiller. L'idée, en fait, c'est qu'on puisse. Après, on va remettre des dalles, je pense, ou des escaliers. Peut-être des dalles, donc il faut que je fasse deux de large. J'ai des dalles de pied. Là, on va enlever la terre. Des dalles de pierre quoi? Pierre normale? Oui, tu veux de la roche? Ou pierre taillée, ou ouais, un petit mix de tout ça, ouais. Ouais, de la roche, c'est bien. Ok. Ouais, de la roche, c'est bien. Ah bah, j'ai Et plus tu as rien. 6 selles supplémentaires. Ah yes. Bon, ça, c'est pour un peu plus tard. Bah, je vais quand même retourner chercher des cailloux, parce que là, j'ai vraiment plus rien. Ah, il n'y a Ah mais plus attends, beaucoup de j'ai de la cailloux. terre sur moi, là. C'est toi qui me l'as mis? Oui, je t'en ai ramené. Ouais, mais tu me l'as jeté sur moi, parce que... Oui. D'accord. Parce que du coup, j'avais pas vu. Hop. Donc là, on va agrandir un petit peu. Comme ça va nous faire la place pour faire une petite plateforme de montée vers la caserne. Voilà, pas trop régulier non plus. Pas mal. Donc ici... Ah oui, je suis pas assez haut, là. Ah, quoique là, on pourrait faire ça. Là, on pourrait faire comme ça. Et pareil, enlever un petit cran ici. Voilà, pour mettre des petites dalles là, là, là. 1, 2, 3, 4 dalles, ouais, ça va être bien. Et comme ça, quand l'herbe se sera propagée, on pourra tapoter, sauf le tour. Là, petite dalle. Là, il faudrait des cailloux en dessous. On va peut-être faire une rangée de comme ça. Voilà, pour dire. Voilà, et ah ouais, alors à l'entrée, il y aurait une espèce de petit caillou avec un truc cuivré. Ah, c'est pas facile à faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un partenaire, ça va être moche. Un bloc de cuivre plein, ça va pas le faire non plus. Un cadre avec dedans un bloc de cuivre, ça pourrait être pas mal. Le tout posé sur ce bloc-là, donc on pourrait mettre plutôt une roche. Une roche. Allez, dilemme du builder. Hein. C'est compliqué la vie. Hein. C'est compliqué. Oh, elle a un chien en plus. Elle me nargue avec un chien. J'en ai plusieurs. Tiens, je veux bien des blocs de roche tout court. Les transforme pas tous. Hop. Voilà. Comme ça, on met à l'entrée pour poser dessus. Donc, on va mettre. Je les verrai bien ici. Ici. Est-ce que je monte un cran comme ça ou pas? Ouais, c'est quand même un petit peu proéminent. Donc on va faire comme ça. Hop. Donc des dalles, des dalles, des dalles. On va mettre des petites dalles de pierre parce que ça m'a l'air un peu comme ça entre. Ouais, c'est entre terre et dalles. Nous, on va faire en dalles. Hein. Comme ça, voilà, ici, comme ça monte direct, ouais, impec, et là, bam bam, voilà, comme ça on arrive dans l'arène, yes. Et donc, au-dessus, ici, il faut que je rajoute, pouf, un petit pourtour aussi en d'allumettes, qui prend appui gentiment ici, et bah, donc c'était 1, 2, 3, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, Comme il y a ton ça. chat sur le toit. Ah, c'est un coquin. Ça y est, pas. Hop. Et là, j'aurais bien vu déborder aussi. Hop là. Est-ce que je fais plus large pour vraiment faire le truc un peu. Ou j'enlève les petits bouts que j'ai fait en plus là. Au sol, tu veux quoi? Comme ça, j'en peux plus. Bah faut laisser pousser pour l'instant. Et Okay. après, à coup de pelle, on fera de la terre chemin là. Voilà, donc ça c'est l'entrée. Ah, tombé.
tomber et le jour se lève. Voilà. Alors, ils n'enlèvent pas tous, sinon le verre va plus se propager. Ah, pardon. Il faut que tu en laisses au moins en contact de chaque côté, tu peux. Hein. Et tu laisses juste le pourtour en vert, au moins un rang de okay. Tout autour. Compris. Ça enlève, voilà. Et alors la déco à l'intérieur, c'est pas gagné, parce qu'on est censé mettre des épées, des boucliers qui se baladent là, ici, mais on n'a pas ça, nous, dans la déco Minecraft. Là, il y a un poteau, éventuellement, on peut mettre un poteau avec une barrière à cet endroit-là. Enfin, dans ce coin-là, quoi, dans un angle. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Alors, il y a en plus de la terre tamisée, mais je pense pas qu'on puisse reposer un petit bouton de roche dessus. Par contre, on peut mettre des petits boutons de roche. Est-ce que je peux en faire quelques-uns? Bon, peut-être pas 60 quand même. Alors, on va en faire 12. 12, c'est bien. C'est un compte. C'est un compte qu'on aime bien. 12. Hop, hop. Et donc, il y en a ici et là, en fait. Hop, on va faire comme ça. On va en mettre un là, un par là. Boum, voilà, de façon totalement chaotique, anarchique, non préméditée. D'ailleurs, on pourrait les mettre dans l'autre sens, de temps en temps. Hop, voilà, un par là, et puis un par là. Voilà. Alors là, je peux pas en mettre parce que c'est des dalles, mais ça ressemble. Alors, ensuite, au pourtour, il y aura un arbre mort d'un côté aussi, de ce côté-ci. Ça, faire un arbre mort, c'est pas gagné, c'est pas si simple. Et des autres côtés, bah, un peu de roche par-ci, par-là. Ouais, à l'opposé de la porte, ici, il y aurait un gros caillou qui remonte sur le côté. Donc, on pourrait faire un truc qui va de là, comme ça. Boum, 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 boum. Et juste mettre un petit escalier. Hop! Pour faire un peu bizarre, et une petite dalle dessus, hop, pour faire encore plus bizarre. Allez, un autre petit escalier, une autre petite dalle. Une petite... Ah, mais non, pas là la dalle. Hop, là. Ah, et ici c'est pas beau. Hop, voilà. Et un petit escalier, j'aurais bien un petit escalier de plus, genre ici. Hop, ça fait caillou, quoi. Ça fait caillou. Alors, si tu... Voilà, faut cacher. Merci. C'était prévu. Et oui, ça peut être une idée aussi de texturer un petit peu. Alors, laisser la pierre taillée en majoritaire, mais pourquoi pas un peu de pierre taillée craquelée, et puis, ici et là, un petit andésite ou un petit roche. Enfin, un petit... comme t'as là dans les mains, pierre. Mais pas trop. Juste 10%, quoi. Et oui, on peut mettre des cadres avec les objets pour se battre. Donc épée, bouclier, hache, pourquoi pas. Là, j'avais dit des cadres, si t'as deux cadres, je veux bien deux petits cadres sur les deux roches là, à l'entrée. Là, merci. Hop. Non. Et je vais aller chercher deux blocs de cuivre, si on a ça. Hop. Oui. Et puis après, bah, y aura un peu de fleurs à mettre, parce qu'il y a quand même un peu de fleurs dans ce monde barbare. Et on sera pas mal sur la caserne. Ça rend comment, vu de loin? Ouais, ça rend mastoc, mais c'est un peu le but. On voit pas bien. On voit pas bien, j'avoue. Et puis l'épisode est censé être fini, mais j'ai quand même allé mettre mes deux petits blocs de cuivre. Histoire de dire. Je sais même plus comment on fait... Ah si, comme on fait des blocs invisibles. Loot, mob, bestiole. Ouais, on en a assez. Oh, c'est pas sûr qu'on en ait assez. Il m'en faut 16. Des membranes de fantômes. On n'en a pas tant que ça, en fait. On n'a pas tant fight que ça, les fantômes. Bah, il va falloir qu'on s'y mette, hein. Cuivre, cuivre, cuivre. Où est le cuivre? Tiens, le cuivre, il est avec quoi? Il n'a pas son coffre à lui. Il est dans l'équilibre? Non. Comment ça, le cuivre n'a pas son coffre? Il faut deux. Ah, c'est bronze. Ok, il faut suivre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça y est, déjà fait. 9. Hop. 2 lingots de cuivre. 2 blocs, pardon. Et, tiens, si je croise le tanneur, vu que j'ai encore le cuir sur moi. Et puis
Pioum, pioum. Oh là, il y a une tribu de golems ici. Ah, t'es là, mon petit bonhomme? Allez, on continue. J'ai encore du cuir à te vendre. Ah non, j'en ai plus. Ça y est, j'en ai plus. Oh, j'ai dû en laisser dans ton coffre, là. Ah, mince. On va faire ça. Ah non, je t'ai tout vendu. Ah bah dis donc, t'es gourmand, toi. T'es gourmand, le monsieur. Hop. Allez. On va finish. Ouais, il faudra vraiment texturer, parce que je pense que ça fait trop plat, là. Les deux blocs de cuivre. Pour donner la petite touchette. Ah oui, non, j'ai dit d'abord transformer les deux cadres là en invisible. Alors ça, c'est aussi un datapack pour ceux qui ne suivent pas. C'est le datapack bloc invisible. Que visiblement, il n'y a pas la recette. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Ok, ça marche pas. Voilà. Bing. Et bing. Ça fait un livre, mais quand je pose le livre, vous voyez, c'est invisible item frame. Donc quand on pose un invisible item frame, faut pas oublier qu'on en a mis là. Ici, voilà, on le voit pas. Et ici, et hop, on le voit pas. Mais ils sont bien là. Et donc quand je vais poser le petit bloc de cuivre, piouf, voilà. Ça fait comme un petit bouton de cuivre. Alors que les boutons de cuivre n'existent pas. Trop fort, n'est-ce pas? Bon, ça ressemble pas exactement à ce que je voulais, mais j'ai pas plus gros. Donc voilà, on est dans l'idée en tout cas. Qu'il y a deux petits trucs de cuivre, de bronze à l'entrée. Ah, nickel, la petite déco là avec les armes. Voilà, bah, on est pas mal. Donc il faut juste texturer un petit peu, je pense, la pierre taillée. Parce qu'elle est trop pierre taillée. Avec voilà, un petit mixte. Et bah, on va rajouter après un peu de végétation. On finira hors caméra, évidemment, puisque là, on est au bout. Donc genre là où il y a l'établi et compagnie, il faudra une petite plante. S'il me reste un peu de roche, je vois qu'ici, il y aurait peut-être un petit rocher, pareil, qu'on pourrait mettre comme ça. Hop, 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 voilà, un petit rocher décoratif, purement décoratif. Ici, hop, on continue. L'établi pourrait rester là. Et puis l'arbre mort, alors ça sera le plus compliqué à faire, l'arbre mort. Voilà, mais du coup, on a notre petite arène d'entraînement. Où les gars viennent s'entraîner. Et les filles. Je regarde quand même sur le screen. Non, c'est pas mal. Bon, bah c'est pas mal du tout. Et on est au bout de l'épisode. J'aurais bien fait quand même un truc pour regarder vue de haut et faire un petit screen. Hop. On s'envole. Chouic. Ouais, je suis pas convaincu par ça, là. Il y a un truc qui me va pas. Il y a un truc qui me va pas, donc on va rectifier tout de suite. Hop, c'est ça. Ça sort trop, ça. Ça déborde trop. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. On se remet en spectateur pour faire le petit screen. Et alors, faut... c'est dans ce sens-là. C'est à peu près comme ça. Ouais, ça fait vraiment un gros aplat, là. Il y a un truc qu'il va falloir corriger, je pense. Je vois à peu près comment faire. Bon, on va screener déjà. F2, pouf. Voilà, on redescend. On redescend. On remet en survie. Et ici, en fait, ça va pas. Là, c'est trop à plat. Donc, on va commencer par faire ça. Ça, 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 et ça. Et vu que j'ai que ça sur moi, je fais avec ça. Hop, et là, j'aurais bien vu un truc dans ce bout-là. Voilà, un petit truc comme ça, ouais, impec, et puis comme j'ai des dalles, on va rendre ça un peu irrégulier, sur la fin, là, comme ça, petit truc dans ce coup là, voilà, un peu d'irrégularité, ah, là ça va pas, hop, hop, voilà, comme ceci, plouf, plouf, et là on va peut-être, ouais, ah bah là aussi ça va pas. Hop. Hop là, j'en ai mis deux. Je voulais en mettre qu'une. Hop. Bon, je pourrais y passer un deuxième épisode et ça fait déjà 30 minutes au lieu de 20. Donc on va se calmer un petit peu. Hop. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tant pis. Voilà. Et voilà. Je voulais que ça ait l'air un peu plus irrégulier, un peu moins rectiligne. Tout droit. Là aussi, ça va pas aller. C'est beaucoup trop droit, là.
où il va falloir texturer à bloc. Bon, je vais en rester là, parce que sinon, on va y repasser à tout un autre épisode. Hop, juste quand même, je résiste pas. Yop. Ça me chiffonne. Toup. Voilà, déjà, en texturant, c'est un petit peu mieux. Ouais, j'ai fait un jour, une nuit et un jour, donc j'ai carrément débordé. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode à rallonge. J'espère que vous n'êtes pas en retard sur votre pause de midi. Normalement, vous avez au moins une heure et demie de pause, hein, pas juste 20 minutes. Donc logiquement, je peux déborder. Mais j'en abuse, j'avoue. Allez, à demain, si vous le voulez bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.